fête l'inauguration de notre nouvelle réquisition. Alors maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Ceux qui sont arrivés les premiers au moment de l'ouverture sont très, très bien logés dans des petits studios là-haut. C'est vraiment pour nous une réquisition de luxe par rapport à tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Le problème, c'est qu'une fois que toutes les bonnes places ont été occupées, il y a encore beaucoup de gens qui sont arrivés par le bouche à oreille, par la fermeture des dernières places d'hôtel du 115. Donc les gens arrivent. Il n'y a plus de place accueillante maintenant. Et on installe les gens dans des lieux qui ne sont pas adaptés à l'habitat. Dans cette petite pièce, on avait installé une maman africaine avec ses deux petites filles. Donc c'est pas très grand, mais elle était contente. Et quand elle s'est aperçue qu'il y avait encore des gens à la rue, elle a ouvert sa chambre à une deuxième femme qui, elle, a trois enfants. Donc, dans cette petite pièce, là, vivent en ce moment deux femmes avec cinq très jeunes enfants. Donc les gens sont entassés, il y a des problèmes de sanitaire, mais les gens préfèrent rester ici que de continuer la vie infernale en appelant 115, en n'étant pas sûr d'avoir une place. Et si nous avons eu plus de gens ces derniers temps, c'est parce que il y a eu d'une part la fin du plan hiver du 115, et c'est-à-dire de l'accueil d'urgence, et il y a eu la fin aussi des nuitées d'hôtel la semaine dernière. Ce qui fait que tous les gens qui avaient pu être abrités pendant l'hiver ont débarqué place de la mairie avec leurs enfants, etc. Donc je suis venue ici pour demander l'asile politique. Et là, j'ai commencé les démarches depuis le mois de novembre, lorsque je suis arrivée. Alors, il fallait trouver un logement. Et à ce moment-là, la PADA, là où on accueille les étrangers, ne loge pas les gens. Ils nous demandent d'appeler les numéros 115. Alors, on commence à appeler en attendant qu'ils nous donnent un centre d'accueil pour nous héberger. Alors, lorsqu'on commence à appeler, des fois, on donne des logements. Et maintenant qu'on est, je suis toute seule, au mois de novembre, décembre, janvier, lorsqu'il faisait froid, on donnait des logements, parfois une semaine, deux semaines. Et maintenant qu'il ne fait plus froid, on ne s'occupe pas trop de nous, nous qui sommes seuls, que des familles, les dames qui ont des enfants, les parents avec les enfants, ce sont eux qui ont la priorité. Moi, on m'a répondu, tu n'es pas l'enfant, tu n'es pas enceinte. Et alors, c'est une réponse, chaque fois que je pars, on me répond là, ça commence à m'énerver. Là, je souffre, hein, mais je ne peux pas avoir un enfant pour logement. Alors, ces réponses-là, ça me dérange. Alors, je passe plus là-bas, l'AFTAM, tout ça, je suis restée avec le 115. Si je n'ai pas de place, je peux venir ici, là où il y a mes copines, je peux dormir, c'est ça. C'est depuis 15 jours, ces trois femmes célibataires qu'on a réunies dans une pièce, qui ne se connaissaient pas auparavant et qui dormaient à même le sol. La semaine dernière, j'ai réussi à trouver des tapis de judo. Donc ça leur sert comme base de matelas, mais ça reste quand même assez dur. Donc du coup, un sympathisant de passé qui habite juste à côté vient de nous apporter trois matelas. Et donc priorité à ceux qui... On a servi déjà toutes les familles et enfants dorment sur des matelas. Donc maintenant on commence à s'occuper un peu plus de célibataires, parce qu'on est obligé d'imposer une certaine chronologie dans les dons qu'on a. Tous les premiers habitants sont occupés. Enfin, maintenant, comme le 115 nous envoie directement des familles ici. Donc le 115 dit aux gens de venir chez vous. C'est le monde totalement inversé, oui. Si tu appelles le 115, il suffit de demander aux Africains ou aux Mongols qui sont par là. Donc on leur dit maintenant, nous on n'a pas de place, appelez le DAL. Donc c'est le rôle inversé. Donc on a, comme il arrive tous les jours deux, trois familles de plus, des matelas et des enfants encore, qui au rythme où on est là, on va être obligé d'ouvrir encore un autre lieu, parce que c'est pas possible. Il y a encore une famille qui arrive aujourd'hui, et bon, c'est possible qu'il y en ait encore demain, puisque le lundi c'est un jour de mouvement au 115, donc c'est possible qu'il y ait encore des gens qui se retrouvent à la rue demain. Donc le bouche à oreille fonctionne et les gens arrivent tout seuls maintenant. Là, il y a une famille qui vient juste d'arriver, qui s'installe là. Et visiblement, la dame
elle est assez choquée. Et c'est une chose qu'on a souvent observée pour les nouveaux arrivants. Souvent, le choc est très rude. Ils arrivent plein d'espoir en France. Souvent, ils ont tout perdu dans leur pays. Souvent, c'est des gens qui étaient bien, bien installés dans leur pays. Ils arrivent ici et quand ils s'aperçoivent dans quelles conditions ils vont avoir à vivre, souvent, le choc est très, très rude. Et cette dame qui pleure, elle doit être en train de réaliser ce qu'il attend dans les semaines qui viennent, et c'est un moment très très difficile. Après, elle va reprendre confiance quand elle va s'apercevoir qu'elle est avec des compatriotes et qu'il y a une solidarité qui s'organise, mais souvent la première arrivée ici, c'est très très difficile. Le devoir d'humanité prime sur tous les droits légaux officiels, et que donc quand on a un bâtiment vide comme celui-là, on a absolument le devoir de le mettre à disposition des personnes qui sont dans une précarité totale. On ne sait pas ce qu'elles ont vécu là-bas. Pour venir, comme c'est le cas, de si loin, avec sans doute toute la détresse qu'elles peuvent porter avec leurs enfants, etc., pour venir chercher un accueil en France, je pense qu'on devrait être encore fiers que notre pays évoque de telles capacités d'accueil. Je pense que la commune de Passé pourrait être aussi fière d'avoir d'avoir offert cette possibilité donc à ces personnes. Et comme il paraît que c'est la plus grosse réquisition de France, je n'ai qu'un souhait à formuler, c'est qu'une autre commune dans les environs offre un accueil encore plus important, avec encore plus de bonne volonté, pour qu'encore plus de personnes puissent dormir le soir avec leurs enfants à l'abri plutôt que dans la rue. Voilà.